Diepe bal, opletten. Want daar is misschien de kans voor Middleton. Middleton, ja, dit was de eerste grote kans van de wedstrijd. Hij loopt weg uit de dekking in de rug van Van der Bremt en Co. En Glenn Middleton met de kans op de openingsgoal. Ah, goede diepe bal. Lammers kon misschien komen. Maar goed, er waren nog wel wat spelers bij. Alhoewel dat hij heel erg snel oogt. Ja, het was wel met zijn goede linkervoet. Ja, ja. Dus... Ja. Hij trapt hem net naast, gelukkig maar. Maar inderdaad een waarschuwing. Hier is Openda en dat is ook een waarschuwing. Verscharen, Openda. We hadden een lange studieronde, maar nu in de tiende minuut krijgen we plots twee wenkende kansen. Eentje voor Schotland, eentje voor België. Het blijft 0-0. Ook Openda kan niet scoren. Hier is Openda. Ja, dat mag je niet laten gebeuren. Moet hem misschien nu proberen geven, Openda. Dat gebeurt. Goed gelifte bal. Vertessen voor de eerste. Vertessen trapt hem over. 16e minuut, tweede kans voor de Belgen. Het duurde een tikkeltje te lang misschien vooraleer Openda hem bracht. Maar het deed het toch nog goed. En dan Vertessen die het helaas niet kan afmaken. En is dit een penalty? Is dit een penalty? Krijgen we een strafschop? Wat gebeurt er? Hij geeft penalty. Ik denk het ook. Vertessen gaat tegen de grond. Ik weet niet of de verdediger even struikelt of uit balans is. Want het is een heel domme manier om een penalty weg te geven voor Josh Doig. Ja. Het is een hele vreemde... Loopt gewoon hem omver, een beetje ongelukkig. Kijk, wil hier. Ja, tik toch Vertessen aan, hè. Openda voor de 0-1. Openda schiet hem binnen. Het is de voorsprong voor de Belgen. 5 minuten voor de rust. En Openda die daagt het publiek daar nog een beetje uit. Maar de strafschop uitgelokt door Vertessen. Omgezet door de topschutter van de U21 van de Belgische belofte. Lois Openda, zijn 6e in deze campagne. 0-1. Fiorini, est-ce qu'on va mieux comprendre pourquoi Manchester City a investi dans ce jeune joueur? Avec ce coup franc direct. Non, pas forcément. Et Matheisen qui demande quand même à ses joueurs de sortir un peu. C'est vrai que pour le moment... pas dire qu'on subit en fait volontairement, mais voilà, quand je parlais de ballon qui traînait avec l'occasion là pour Fiorini, la parade de Lammens, voilà, c'est exactement ça qu'on évoquait tout à l'heure, un bête ballon mal géré et une occasion tout de suite pour les Écossais. Alors ici, la projection est intéressante de Raskin. Le ballon est parfait. Openda, ça c'est la balle de 0-2. Raskin, le crochet et le but. Oh non! Le bel arrêt de Slicker. Elle était magnifique, cette opportunité-là. Avec Raskin notamment. Grosse frappe du Liégeois. Sans avoir l'air d'y toucher, lui, il fait vraiment réaliser une bonne prestation ensemble, Vincenzo. Bonne plus même, je dirais. Vraiment, vraiment. Oh, bien joué. Oui, bien joué, et il doit s'y reprendre à deux fois, la Slicker. C'est super, hein, c'était encore un super ballon de Siké, un bon appel d'Openda. Il faut le marquer, hein, ce deuxième, effectivement. Bah, histoire d'être tout à fait tranquille. Ouais, hein. Complètement, oui. Siké. Oui. Siké. Oh, c'est un bon ballon. Et voilà, le 0-2, on l'attendait depuis tout à l'heure et il est récompensé pour son bon match, Nicolas Raskin. Oui,
d'un Liégeois à l'autre. Magnifique, hein, magnifique centre, magnifique infiltration, magnifique plat du pied. Vous avez raison, un but 100% standard là pour le coup. C'est bien. C'est bien parce que tous les deux en plus ont livré un match plein. Ils s'infiltrent super bien, mais le centre est vraiment magnifique. Il est légèrement dévié hein, oui. Par Clayton, oui, je pense. C'est ce qui probablement donne cette trajectoire, oui, il est dévié. Effleuré, on va dire ça, par Clayton. Oui.